Hop, salut à tous, c'est lancé. Aujourd'hui, ça va beaucoup moins rigoler. Hop, sur la bonne vue pour moi. D'abord, RGT devant moi, ça sera quand même plus simple. Alors, étape galère à suivre en perspective de mon côté. Parce que ça monte énormément. C'est pas du tout mon terrain. Je suis assez lourd, surtout par rapport aux autres gens qui sont inscrits dans ce Giro d'Italie virtuel. Donc je pense que ça va être compliqué. La course est assez courte, mais on prend beaucoup de dénivelé aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de rouge. À partir de la moitié, ça va être que de la souffrance. Ben voilà, on va faire ce qu'on va pouvoir. Je vais essayer de bien m'échauffer aujourd'hui, bien tourner les jambes avant. Et on verra comment ça passera. Hier c'était une bonne journée où j'ai réussi à prendre un chouïa d'avance par rapport à mes concurrents directs, on va dire. Et j'ai vu, c'était assez rigolo, j'ai regardé le classement, ça fait 6 étapes qu'on roule. Donc en fonction de la force des coureurs, ça fait entre 4 heures on va dire pour le premier et puis 7 heures pour le dernier qu'on fait des efforts. Donc et perso j'ai remarqué qu'au bout de 6 heures de course, il y a un mec qui est 2 secondes devant moi. Donc 2 secondes devant moi, je le vois pas dans la liste à gauche là. Donc je sais pas s'il a fait la course du matin ou s'il va faire celle-là, mais c'est assez rigolo. C'est un anglais, son nom de famille c'est Frédéric. Et une autre petite erreur stratégique aussi que j'ai faite aujourd'hui, peut-être, c'était, on a parlé un peu de ça, c'est la première fois que je voyais les collègues en live depuis longtemps, on parlait un peu de ça. Et du coup, il y en a peut-être qui seront curieux, qui passeront, bah, coucou si vous passez. Mais ça va être l'étape où je vais en chier le plus depuis pas mal de jours. Donc ça risque d'être assez rigolo. Bon, moi j'aurais l'excuse d'être en train d'essayer de pas mourir pour limiter le flot de parole. Vous aurez juste droit à ma respiration saccadée. En plus là je suis en première ligne, je vois, et je suis avec tous les mecs qui sont en tête du classement, donc ça va partir super vite. J'ai vu qu'on était une cinquantaine d'inscrits, donc les gens rejoignent au fur et à mesure. Là on est déjà 40, une quarantaine connectés, donc si on peut faire des petits groupes ça peut être sympa, surtout sur la première partie où ça peut aider un petit peu de se suivre pour l'aspiration. Après dans la côte ça joue plus du tout, hein. Y a pas de vent à couper, donc c'est vraiment chacun fait l'effort comme il peut. Donc dans la première partie, à la limite, on peut s'en sortir si on a un poil plus lourd et un peu plus fort, on va dire. Donc j'allais en moyenne par rapport aux autres concurrents, je suis plus un rouleur, on va dire. Voilà, évidemment, il y a des plus gros rouleurs que moi qui sont plus fins, mais qui sont plus sportifs, juste. Mais dans la deuxième partie, clairement, ça va être tout pour les grimpeurs. Toute la partie rouge, là, je vais pas avancer par rapport à eux. Donc le but, c'est au moins de limiter la casse au début. Et voir pour prendre un chouïa d'avance si possible, et après ça d'essayer de ne pas les voir repasser trop vite. Le profil me fait bien peur. Je suis désolé au départ si le son est un peu fort, hein, avec la foule en délire sur les côtés. Vous inquiétez pas, ça dure pas comme ça tout le temps. Après, le public n'est là plus que, je crois, c'est tous les 2 km. Donc, moi, j'ai pas le retour du son du jeu, donc je vois pas. J'ai déjà vu sur les vidéos que le son était
assez fort, mais du coup c'est pour avoir un peu le retour du son pendant la course elle-même, c'est sympa. Mais peut-être qu'au début, comme ça, qu'on est juste à côté d'eux pendant tout ce temps-là, c'est peut-être au bout d'un moment, on est là, ouais, c'est bien, on a compris. Tu referas clap-clap quand ça partira. J'ai remis aussi à gauche, en haut à gauche, on va dire les capacités. Je sais qu'il y a pas mal de streamers qui le mettent, de ceux qui font du vélo, on va dire. Comme ça, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Donc vous voyez, par rapport à d'autres gens qui streament, je suis pas du tout dans des catégories de cyclo sportif. Alors, je me défends sur le plat, ça va, j'arrive à tenir un rythme, mais je suis pas à des niveaux du genre 4 watts par kilo comme certains qui font du vélo en club depuis des années ou Donc pour ceux à qui ça parle, cyclo touriste on va dire, ils arrivent à dépasser les 2 watts par kilo et 6 watts par kilo vous êtes au Tour de France. Donc, et après il y a tout le gradient évidemment. Là dans des courses comme aujourd'hui, il y a des gens qui doivent monter jusqu'à 4,5 voire 5 watts par kilo. Donc il y a vraiment des gens super forts hein, qui ont vraiment des niveaux impressionnants. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que sur des grosses montées, bah, aujourd'hui je vais voir hein, ce que ça va donner. Je pense que j'espère tenir en dessous d'une heure et quart, le plus proche possible d'une heure possible. Mais je pense qu'ils me mettent, ils me mettent 20 minutes, au moins 20 bonnes minutes, voire plus, je pense sur une course comme ça, 25 minutes peut-être. Et sur des grosses montées comme on a fait dimanche dernier, où c'était vraiment que de la montée pendant 2 heures pour moi, il y a des gens qui me mettent quasiment 45 minutes. Du coup, ça va pas du tout être le même départ que la course sur plat d'hier. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde va se caler directement sur un rythme. Donc ça va pas partir à 50 à l'heure comme hier. Ça va partir chacun à son rythme. Et le but est de choper un petit groupe sur la petite partie du faux plat montant au début. Et plus la couleur vire au rouge, moins je pose. J'ai pas de fréquence de cardiomètre connecté, donc pour savoir où j'en suis de ma barre de vie, je regarde ma montre. Quand je regarde l'heure, en fait, c'est je regarde à quel point il me reste encore de la vie pour survivre. Je sais pas si c'est les collègues d'aujourd'hui qui sont là à regarder. Si vous voulez juste faire coucou comme ça, je sais qui c'est à peu près. Ça me dérange pas. Si vous préférez rester anonyme, ça me dérange pas non plus, je comprendrai. C'est parti. Donc la barre de couleur au-dessus de mon personnage donne la couleur par rapport à ce que je suis censé tenir en théorie. Donc là, rouge, genre c'est un sprint, je peux pas tenir ça longtemps. Orange, je suis grillé au bout de 10 minutes. Jaune, je suis censé pouvoir tenir ça un petit bout de temps. Genre 40 minutes, on va dire. Donc au début, ça part toujours assez vite. Parce que les gens cherchent à rester dans les groupes. Et à pas se retrouver tout seul. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il me manque le maillot à poids quand même pour faire le stream du vieux monsieur. Et donc
donc devant moi, par exemple, là, avec le maillot jaune, c'est un autre Français. On s'était mis d'accord qu'on portait le même maillot. Alors c'est vraiment... on n'a pas les mêmes watts, mais on a la même maille, on a la même passion. Lui, par exemple, c'est un grimpeur. Il pousse beaucoup moins fort que moi sur le plat. Genre... Mais lui, il est capable de tenir 4 watts par kilo. Donc 4 watts par kilo, dès que ça va devenir orange ou rouge, je vais dire au revoir. Oh non, mais... Ne laisse pas partir. Petit sprint à 30 à l'heure. Dans le fond plein montant. Pour les rattraper. Et donc le Brésilien que j'ai vu pop dans le classement à gauche, Bodart, c'est le mec qui est au classement général juste derrière moi. Je crois qu'il est 2 minutes derrière. Mais pour le coup, il est mauvais sur le plat. Bah mauvais, non, il est correct sur le plat, mais très bon en montée. Et je ne vois pas Monsieur Frédéric, qui est 2 secondes devant moi au classement général après 6 heures. Donc là pour l'instant je fais la stratégie de la sangsue, c'est-à-dire que je me laisse porter par les mecs qui me coupent le vent, parce que de toute façon ils sont plus forts que moi, et que le plat dure pas très longtemps, donc le but entre guillemets c'est de juste profiter de cette petite partie roulante pour prendre gratos un peu d'avance. Sur des gens par exemple comme le Brésilien justement. Juste le fait d'être dans le bon groupe, ça me permet de pas trop s'user et d'avoir 200 mètres d'avance. Hein. Moi je suis très content de prendre 20 secondes gratos à un mec. Il y a quand même un petit groupe devant qui tabasse déjà, même sur le faux plat montant là. Heureusement, il n'y a pas de hors délai. Parce que je pense que sur les vraies étapes de montagne, quand je mets le double du temps du premier, je me serais déjà fait éliminer sinon. Et en rouge, des fois en rouge, j'en profite, hein, c'est plat, je suis dans un groupe, je peux suivre, je peux parler. Du coup, des fois ça s'allume en rouge en haut à gauche. C'est à chaque fois que le logiciel juge que votre perso, dans la vraie vie, aurait freiné. Donc soit j'arrive trop près de la roue du mec devant sans avoir, sans aller assez vite, en gros si j'allais plus vite je le doublerais. Et en descente, malheureusement aujourd'hui, quel dommage, je ne pourrais pas vous montrer, mais dans les descentes, dans les tournants, il freine. Il y a des logiciels où ils sont pas embêtés et les mecs tournent à 95 à l'heure, c'est pas du tout réaliste. Du coup là, dans ce logiciel là, les mecs freinent et il faut relancer chaque sortie de virage. Donc quand il y a des descentes par exemple avec des lacets, et ben, il faut relancer à chaque sortie de virage. Petit sprint parce que le gars derrière moi ne voulait pas
faire l'effort pour combler le trou. Et du coup, par rapport donc la FTP, ce qui est en haut à gauche, c'est le rythme maxi qu'on est capable de soutenir pendant une heure. Donc, 220, je crois, ou 210. C'est censé être mon rythme. Si je parle pas, si je me concentre, que je peux tenir pendant une heure, puis je meurs. C'est... Un petit relais, monsieur. C'est madame d'ailleurs, oui. Non? Donc apparemment, je suis pas la seule sensu du serveur. Ouais, il y a toute une, on va dire, boutique. Il n'y a pas de skin à proprement parler, parce que c'est pas payant. Mais il y a des maillots d'event et tout ça. Du coup, tu choisis le kit que tu voulais. Du coup, tous les Français, forcément, comme on connaît qu'un truc, c'est le Tour de France, on a tous mis le maillot jaune. Et en fait, le maillot, il s'appelle Vive la France. Si tu zoomes devant, tu vois que c'est écrit Vive la France. C'est le Tour d'Italie, on rappelle, hein, bien sûr. Donc c'est complètement RP. Je sais pas s'il y en a qui ont osé mettre le maillot rose du leader du Tour d'Italie, ça ferait peut-être un peu prétentieux. Il y a un truc que j'aime bien quand même. C'est que l'aérodynamisme ne change pas en fonction de ton gabarit. Alors que tu fasses 90 kg ou 50, ton bonhomme a le même modèle. Hop. Donc à partir d'ici, ça va rigoler de plus en plus. Fouh. On a dit combien? 220? Ouais, 220. Peut-être rester avec l'allemand, si possible. Je sais que Jérôme Poyac, qui est deux places devant moi, est rentré du boulot et il s'est connecté en vitesse, sans échauffement. Quand t'es bien claqué, ça va être sympa de direct sauter et de se mettre dans le rouge. Et alors on rappelle, dans la montée,
Il suffit de comparer les watts par kilo. À peu près, quoi. Si on néglige le vent. Et on sait tout de suite si on va plus vite ou moins vite que le mec devant. Ou derrière, d'ailleurs. Là, Jérôme, 4,5 watts par kilo. Si je vais arriver à faire ça, ça serait deux fois ma puissance actuelle. Genre ma force actuelle. Parce que la mienne, c'est 2,7. C'est très irrégulier. Et du coup, il y a pas mal de courses qui sont... Donc là, les tracés sont vrais, genre les tournants, la pente et tout sont vrais. Le paysage est générique. Et ils ont, on va dire, un quart des courses où le paysage ressemble vraiment à la vraie localisation du tracé. Quand c'est des grosses montées connues, le Mont Ventoux, des trucs comme ça. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Et je suis toujours en vie. En fait c'est pas mal parce que j'ai toujours tendance à partir un peu vite. Le fait d'être un peu obligé de parler m'empêche de me griller un peu bêtement au début. Non, mais ça va, c'est sympa. Je me dis que de toute façon, même si je le streamais pas, je le ferai quand même. Donc autant streamer. Et si c'est des gens intéressés, tant mieux. Après, il y a peut-être des gens qui zappent juste pour regarder de la souffrance humaine. Du coup, tu peux ne pas parler et filmer ta mort en direct. Il y aura quand même des gens qui regarderont. Et du coup, il y a deux concurrents connus. Il y a RGT et il y a Zwift. Mais RGT, je les préfère parce que un, ils ont laissé une option complètement gratuite, même pour faire les compètes et tout, donc ça c'est cool. Ils sont un peu plus petits, et ils font beaucoup, ils font très attention à la physique. Et pour que Zwift, c'est typiquement, ils freinent pas dans les virages, les déplacements en peloton, c'est un peu aléatoire. Et il y a un système Mario Kart aussi. Même dans des courses comme ça, t'aurais des checkpoints avec des bonus qui pop. Genre, ah, t'es plus léger pendant 30 secondes. Ou... Donc c'est rigolo, mais. Après ça, tu t'attends à choper une carapace quand tu fais tes sorties. C'est ça, ouais. Bon, simulé arcade, le mec qui a des quiz comme ça. Il te met la misère sur l'autre quand même, un bonus ou pas, mais... mais oui. Mais ils n'ont pas fait trop exprès. Ils ont fait un truc qui permettait de faire bien les... Genre leur serveur et tout, accueille énormément de gens sans que ça crache. Donc ils ont bien fait le côté social, on va dire. Et là, maintenant, ils essayent d'améliorer la physique. Mais ils sont un peu coincés. Parce que maintenant que les gens ont...
ont vu ce concurrent l'arriver, ils ont fait ouais, un peu pourri votre truc des fois. Ici, ça manque un chouïa, on va dire, de monde. Alors les courses à 50, c'est cool. T'as toujours des gens devant et derrière. Mais bon, là, même s'ils sont 50 mètres devant. Sur le plat et tout, quand t'es 50 sur une épreuve qui dure 50 km, quand t'es tout seul, il y en a qui rage quitte s'ils chopent pas le dernier groupe. Parce que tu vas te retrouver à rouler tout seul dans le vent. Bon, les deux, je regarde un peu les barres jaunes et oranges des gens quand elles s'allument pour juger. Donc là, l'Allemand, pour avoir en gros la même force que lui, je vais être dans le rouge quand lui il est dans l'orange. Donc il est plus fort que moi, donc il part, je suis pas. Le portugais, on doit être à peu près, on doit être pas loin l'un de l'autre, je pense. Monsieur Duck. Il y a un espagnol qui est parti plus lentement et qui va me reprendre. Qui a l'air bien rapide. Après, il y a peut-être des gens qui chopent soit des coups au départ, soit un peu en retard. Donc ça arrive toujours qu'il y a un ou deux retardateurs très forts qui remontent tout le groupe. Et hop! C'est la danseuse. Alors ma grande question, est-ce que je vais réussir à rouler assez vite pour être dans la roue de l'espagnol rapide sur la partie plate en vert qui arrive? J'aimerais bien. Donc là, l'écrémage est déjà fait, hein. Les places bougent peu. Il faut surtout tenir sa place. Voilà, parfait ça. Et ça remonte.
Ah voilà, je me demandais justement où était le Brésilien derrière. Donc il est dans la petite partie descendante là maintenant. Donc il est 300 mètres derrière. C'est parfait. Et pour l'instant, le rythme est normal. On arrive bientôt à la moitié de la distance. Mais on n'a fait qu'un quart du dénivelé. Donc toute la fin là, ça va être très long. Excited parents. Yeah. Yeah, I know. You can say hello to Elise if you want. Coucou. Elle est là. Oui. Voilà le chat. On va pouvoir le regarder pour des tickets pour des vacances. C'est parti comme je voulais, je m'en veux. Mais regarde, tu vois mon petit bonhomme au milieu là? Le petit point Google Maps là. Ouais. J'ai fait la partie à gauche, mais il reste la partie à droite. Ah. ça commence à... Que vraiment, tu pensais? À piquer? Non. À faire mal? Non. À grimper? It's starting to happen. Ça fait mature. À mûrir. Ça commence à mûrir. Je crois qu'on va en français. Pas en français, Julie. Ah bah si, ça devient de vert, jaune. Ah, pardon, ok. Ok. Allez. Le bonhomme aussi. Commence à calciner. Parce que la caméra a un très grand angle. Ouais, mais j'aime pas ça. Mais il y a un lag aussi. Il y a un lag de... Ah, mais c'est pour ça que vous comprenez. Il y a un lag de... Je bouge et là, il y a un lag de 10 secondes à peu près. Pas complètement live. Bon, c'est tout mon intervention. Très éclairé. Du coup, j'ai croisé mon directeur sportif sur les étapes qui durent très longtemps. Je fais appel à la voiture du directeur sportif pour remplir les bidons aussi. C'est très pratique. Est-ce que c'est le cas maintenant? Bon. Bonne route. Merci. Ne te fais pas mourir. Attraper par les paparazzi. Oui. Du coup, c'est bien ce qui me semblait. Hein. J'ai exactement le même niveau que le portugais. Et il a décidé d'avoir 40 mètres d'avance. Et on va se faire une petite bataille miroir. Mon seul intérêt, bah vraiment, hein. J'ai vraiment envie qu'il se fasse péter à essayer de suivre l'espagnol et le ramasser quand il sera mort. J'avoue que j'ai un peu peur à chaque fois que je change de vitesse aussi, parce que hier j'ai déraillé. Et c'est le pire sentiment.
Oulala. Oulala, il s'est rangé. Oulala. Complètement garé, le monsieur. Monsieur kiffe. Ouais, mais c'est connu, c'est la stratégie de... Ça arrive dans les vraies cols, hein. Les mecs qui te regardent, t'arrives derrière, ils savent qu'ils peuvent pas tenir. Moi non plus, je peux pas tenir d'ailleurs. Plus loin que tout à gauche. Petit braquet, 10%. Les mecs qui te voient arriver depuis 5 km, tu gagnes mètre par mètre. Et au moment où t'as la joie de les doubler, ils se garent et ils font semblant de sortir la carte de leur poche. Genre, il y a deux routes pour aller au sommet, tu sais. On sait jamais, peut-être qu'ils se sont trompés encore à mi-côte. Et là, jusqu'à la fin, ça va être une lente procession. Bon, je t'en veux pas, hein. Si tu veux check l'arrivée, c'est dans une heure. Et encore, là, ça va. Je sais plus quelle étape c'est. Dans les vidéos, dans le Monte Grappa ou un truc comme ça. C'était pas 15 km, c'était 20. Et c'était pas 1000 mètres de dénivelé. C'était 1500. Donc c'était rouge pendant 20 km. Il y a 10%, tu peux juste pousser, hein. Il n'y a pas moyen de te reposer. Allez, 12! Ça me manquait. Allez, heureusement il y a un public. Le public est en délire. Ils ont bien le temps d'applaudir. Il y a Madame Oui derrière qui a fait du yo-yo. Elle doit être bien plus légère que moi. Parce que sur le plat, elle n'a pas suivi. Mais depuis que ça monte, je vais la voir monter.
Il y a personne qui a l'air de lâcher devant. À part Monsieur Duck tout à l'heure. Qui a plongé d'ailleurs. En ligne droite qui fait que le rendu visuel, on a l'impression que c'est plat. Et dans 200 mètres, ça ira un peu mieux. Perdu une vie. Et surtout que c'est pas la première course en fait. C'est la sixième course déjà. Et ça s'enchaîne. Il fait plaisir le petit replat. Un peu court, mais il fait plaisir. Thank you.
9%, c'est tout à gauche. Petit braquet, petit braquet. Et on tourne autant qu'on peut. Donc là, c'est la plus longue des portions rouges. Et on voit d'ailleurs sur le petit graphique que le premier de la course, il a déjà passé cette section, celle d'après, il doit être à un kilomètre du bout. Et pas moi. Ah ouais, ils sont très 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 chauds, mais c'est des vrais cyclos sportifs. Ils font des complètes et tout dans la vraie vie. Alors je sais pas si c'est régulier, là c'est pas le cas, mais il y a des gars qui font le Tour de France qui s'entraînent sur des trucs comme ça. Oh là, 11%, ça me tue. On peut pas se reposer en fait. Thank you.
Allez, plus de 3,5 km. Je vais essayer de me refaire la cerise comme je peux, là, dans cette partie-là.
Allez, c'est reparti pour une section de rouge. N'est-ce pas? Je pense que l'échelle est distordue d'ailleurs. Les sections rouges durent beaucoup plus longtemps, je trouve, que les sections vertes. La mort en direct. Oh, ça n'en finit pas. Thank you.
Allez, dernier replat, dernier boss. 2 km. Donc c'est du 7% de moyenne, sachant que il y a toute une partie verte. Allez, 1,5 km. Donc ça fait 10% de moyenne. Si je sais compter. Ça va être très très long. Tout à gauche. Et c'est la flamme rouge. À la fin, pour moi, c'est du damage control. Encore 6 minutes d'effort.
100 mètres, c'est long en montagne. Le public en délire. Le sprint démentiel à 9 km/h. Oh. Et voilà. Oh. Ah, c'est beau, mais c'est où? Ah. Et donc on a le classement qui s'actualise, merci pour le GG. Et donc, le mec devant m'a repris 18 secondes, j'avais 2 minutes d'avance sur lui, c'est un meilleur grimpeur. Et le 37ème, qui était 2 secondes devant moi, m'a repris sans pécule parce qu'il est bien un meilleur grimpeur que moi, 1 minute 15. En vrai, bon, là je suis parti un peu vite. Ouais, peut-être qu'eux aussi, ils font pas des courses parfaites non plus, mais je compare par rapport au début du Giro virtuel, là, voilà une semaine. Ils me mettaient bien plus cher que ça, donc la forme arrive au fur et à mesure. Et ça, c'est cool. Comme d'habitude, je vais regarder s'il y a des gens qui streament RGT Cycling, s'il y a d'autres courses, et je vais host ou raid pour, avec un viewer ou deux viewers cette chaîne-là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde en live. Hop. Parce que ceux qui streamaient cet event-là, bah ils ont déjà fini, en fait. Non, il n'y a pas d'autres chaînes en live. Bon bah, amusez-vous bien.
bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Salut, salut !